Bonjour, alors cette semaine on se retrouve pour un sujet un petit peu triste, trigger warning, maladie. Quels sont les effets négatifs du traitement hormonal sur la santé et est-ce que du coup ça raccourcit la durée de vie? Alors commençons par le commencement, il y a des personnes transmasculines qui veulent prendre de la testostérone pour masculiniser leur corps. Ce choix leur appartient, je reviens pas sur les raisons de le faire. En France, il y a plusieurs manières de le faire, la plus courante ça reste l'androtardil, des injections intramusculaires qui sont en partie ou complètement remboursées par la sécu, et ça c'est cool. Mais il y a aussi le pentestone, qui sont des cachets qui se prennent par voie orale, l'andractime et l'androgel, qui sont des gels par voie cutanée, et ces trois-là sont pas du tout remboursés par la sécurité sociale. Je reviens pas sur leur efficacité les uns aux autres, le plus courant ça reste l'androtardil, la plupart des personnes se le font prescrire et il fonctionne assez bien. Évidemment, il y a des effets secondaires qui se voient sur le corps et sur la santé. Je vais commencer par les trucs qui sont un peu chiants, mais pas graves en soi. On peut développer une peau plus grasse parce qu'elle s'épaissit, de l'acné, des kystes, une odeur corporelle plus prononcée, une chute des cheveux, que ce soit le reculement de la ligne là ou la calvitie, et une sécheresse vaginale. Ça peut être des trucs chiants pour certaines personnes, mais en soi, c'est pas grave pour la santé. Prendre de la thé peut présenter des soucis en termes d'interaction médicamenteuse, mais ça, c'est un sujet vraiment très mal connu, on sait pas vraiment ce que ça fait, notamment pour d'autres traitements qui se prennent à vie, comme les antirétroviraux, la trithérapie pour les personnes séropositives, les antidépresseurs et thymorégulateurs pour les personnes dépressives, bipolaires. Ça, c'est à voir cas par les médecins. Ça peut potentiellement poser des problèmes au niveau du foie, mais vraiment, il y a très peu d'études là-dessus. Alors, globalement, je vais parler de tas de risques qui se présentent pour la santé des personnes qui suivent un traitement hormonal de type androgène, comme la testostérone. Mais faut savoir qu'il y a très très peu d'études qui sont faites là-dessus. On n'a pas beaucoup de recul parce que ça se fait que depuis une quarantaine d'années. On n'en sait pas grand-chose, donc tout ça c'est un petit peu hypothétique. Ça reste à vérifier et tout ce que je vais dire, c'est pas moi qui les ai inventées. Je mets les sources dans la description. Peut-être qu'on découvrira que certaines choses sont fausses ou qu'il y a d'autres trucs. Voilà. Alors déjà, des trucs qui peuvent poser problème, c'est les doses. Être en sous-dose ou en surdose, c'est pas terrible. Je cite, en sous-dose, c'est-à-dire en taux inférieur à la moyenne basse, on peut être en situation d'andropause. On peut observer un début d'ostéoporose, qui est une décalcification, de la fatigue physique, des coups de chaud et froid, un abattement moral, de la dépression, une fonte de la masse musculaire, des pertes de mémoire, des difficultés de concentration, fin de citation. Mais en fait, ce qui est décrit là, c'est un cas de sous-dose hormonale, de façon générale. Genre, si ces seules hormones sont en taux faible, bas, donc par exemple si on a fait une hystérectomie, ou qu'on est très vieux, par exemple, ces cas s'appliquent, mais si on est sous-dosé en T, les hormones dites féminines prennent davantage le dessus et du coup on aura juste un corps avec des caractéristiques plus féminines, mais c'est tout, c'est juste que la T fera moins effet. Donc la sous-dose, c'est pas si grave que ça, sauf si on est vieux ou qu'on a fait une hystérectomie. Être en surdose, c'est un petit peu plus embêtant, donc un taux supérieur à la moyenne haute. Je cite, on peut observer une libido trop forte, une irritabilité, un caractère colérique voire violent et une action trop forte sur le sang, sur le foie, sur les organes génitaux internes par exemple. Fin de citation. Donc voilà, en surdose, les risques que je vais citer juste après s'accroissent. Comme les corbeaux. Alors, il peut y avoir une augmentation de la tension artérielle, donc du débit du flux sanguin, donc faut surveiller son cœur par électrocardiogramme tous les 5 ans. Pour ce qui est des risques vasculaires, alors, en prenant de la thé, on a une augmentation des globules rouges, ça c'est normal parce que les hommes cis en ont plus, mais avec une surdose, un nombre trop élevé de globules rouges peut provoquer une polyglobulie, c'est un nom super mignon, qui entraîne un épaississement du sang qui peut poser problème, genre comme avoir des AVC quoi, petit problème. Après, quand on a trop peu de globules rouges, c'est une anémie, mais c'est très rarement lié aux hormones. C'est plutôt une carence en fer ou un dysfonctionnement de la moelle osseuse, donc ça, il n'y a pas de souci à se faire vis-à-vis du traitement hormonal. Alors, sur les risques cardiovasculaires, on peut avoir une augmentation de cholestérolémie. Bon, je vais pas faire un cours de biologie, mais en gros, il y a deux cholestérols. Le bon, celui qu'on appelle HDL, et le mauvais, celui qu'on appelle LDL. Comme dans les fictions, il y a les gentils et les méchants, et ben les gentils sont là pour supprimer les méchants. Mais si les méchants, ils sont en trop important effectif par rapport aux gentils, les gentils, ils peuvent plus les éliminer, et après les méchants, ils bouchent les artères. Et du coup, après la ville, bah elle a de l'artériosclérose. Et apparemment, les hormones dites féminines, elles favorisent le gentil cholestérol et le bon nettoyage des artères, donc avec la T, on peut avoir du méchant cholestérol qui augmente. En gros. Ok, les risques rénaux, comme Jean. Alors, je cite... Le cycle de vie de la molécule de testostérone est assuré par le foie et son élimination par le système rénal. Le foie transforme la testo en diverses molécules, androsténédio, androsténédione, etc., on s'en fout un peu, qui sont ensuite éliminées du corps dans les urines après être passées par les reins. Donc là, le foie, il est pas mal sollicité. Il peut fatiguer plus vite, surtout si on prend un traitement par voie orale. Il peut y avoir une réaction d'inflammation, appelée une cirrhose, qui est détectable par une augmentation de deux enzymes dans le sang. L'aspartate aminotransférase,
ASAT, et l'alamine aminotransférase, l'ALAT, et des triglycérides. Ça, je sais pas ce que ça fait. Je cite, après être passé dans le foie, les restes de testostérone passent par les reins pour être expulsés. Donc il y a aussi une sollicitation des reins qui peuvent se fatiguer. On passe au risque cancéreux. Ça, c'est le sujet qui fait peur, mais en vrai, on n'en sait rien. En termes de cancer, il y a les mêmes risques pour les personnes FT que pour les femmes cis, et que pour tout le monde en général. Genre le cancer du sein, de l'utérus et des ovaires. Si on a eu une mammectomie, le risque de cancer du sein, il est le même que pour les hommes cis. Donc il existe, il est pas nul, mais enfin, il est faible. Il n'y a rien qui prouve que les traitements hormonaux aggravent la situation. En revanche, pour les ovaires, la T augmente le risque de développement de kystes ovariens si on n'a pas fait d'ovarectomie. D'où l'intérêt de vérifier qu'on n'a pas le syndrome des ovaires polykystiques. Ou de prendre du luténil ou du lutéran avant le traitement. Je crois que ça se fait dans les équipes hospitalières. Mais à vérifier, je suis pas chez eux. Et d'ailleurs, ça c'est pas cancer, mais c'est pas cool. Le développement de kystes aux ovaires, ça peut indirectement influencer la sécrétion d'insuline assurée par le pancréas, qui peut conduire à l'apparition d'un diabète de type 2. Bon, après sur les cancers, on n'en sait pas trop plus, il n'y a pas trop d'études. Déjà que pour les personnes cis, on n'a pas énormément d'informations, alors on s'attarde pas à faire des études sur les personnes trans et les traitements hormonaux. Voilà, donc la plupart des risques sont déjà ceux auxquels les hommes cis sont déjà exposés, vu qu'ils ont en moyenne le même taux de testostérone que les FT hormonés. Il n'y a pas vraiment d'études prouvant que les traitements hormonaux favorisent certains types de pathologies spécifiques. Comme je l'ai dit, ça fait pas longtemps que ça se pratique, donc on sait pas encore trop, on n'a pas assez de recul. Tout ce que je peux vous dire, c'est de faire attention à vous, d'avoir conscience de tous ces risques, de pas trop paniquer non plus, parce que je sais qu'on a tendance à en faire des caisses, de surveiller tout ça, de temps en temps, faire des check-up. Donc pour répondre à la question, est-ce que ça réduit la durée de vie? Je dirais que ça la réduit pas en soi en termes de santé, ça fait juste la compliquer. Ouais, ça complique la vie, on a davantage de visites et de check-up médicaux à faire. Mais n'oublions pas que ce qui réduit vraiment la durée de vie des personnes trans, c'est la transphobie. Que ce soit le meurtre des personnes trans, les violences auxquelles elles sont exposées qui les poussent au suicide, toutes les galères qu'on leur fait subir, ça oui, c'est ça qui fait que l'espérance de vie des personnes trans est en moyenne pas très élevée, voilà. Mais en termes de risques médicaux liés aux traitements hormonaux, c'est pas tant que ça, mais on n'en sait pas encore beaucoup. Voilà, c'est pas le sujet très marrant, je vous mets dans la description mes sources, si vous voulez aller les lire, ça vous apportera pas beaucoup d'informations parce que j'ai vraiment résumé ce qu'il y avait dans les articles, vu que je peux pas apporter de connaissances personnelles, je ne suis pas en médecine. Pour me faire pardonner des sujets pas marrants, bah j'apporte un chat. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un chat dans la vidéo. Allez, à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, faites vraiment attention à vous, ne vous surdosez pas, vraiment c'est très important. En plus ça sert pas vraiment à grand chose, les résultats arrivent pas plus vite si on a plus de testo. Ça sert vraiment à rien d'être surdosé, donc vraiment ne le faites pas, vous vous exposez à des risques inutiles. Voilà. Cette vidéo est la dernière vidéo avec cette couleur de cheveux. Je vais changer.